Le symbole Ramadan le santa ngora oh amna pour un chire bol and demorai craqué o sabar na bu trois push attention on amis entre ma ya chef le cola attaque ne la La equitación es uno de los deportes más queridos en Mali. Todos los domingos, cientos y cientos de personas se dan cita en el hipódromo de Bamako para ver las carreras desde las gradas. Se trata de una noble disciplina que desde hace más de 40 años tiene el corazón robado a todos los malienses y que, sin embargo, carece de los fondos adecuados para renovarse y mejorar. Cada año, aquí a Bamako, tenemos al menos 30 courses. Et aujourd'hui, c'est la clôture de la saison, c'est l'hivernage qui l'exige. Nous sommes à la 36e journée. Le groupe, la deuxième audience sportive derrière le football aujourd'hui. Donc, chaque dimanche, il y a une forte mobilisation des enfants, des ados, des jeunes et même des adultes. Donc, c'est un sport qui tire ses racines au niveau de notre culture. Et au niveau de notre tradition. Moi, mon appel, c'est les autorités. Parce que nous sommes délaissés et c'est un peu délaissé au niveau de la classe autoritaire. Donc l'appel, surtout, c'est au niveau des autorités. Avec un peu d'investissement ici à notre niveau, moi, je pense que nous allons occuper le premier rang au niveau du sport malien. Je suis là toujours dans cette passion du cheval et que je suis là, bon, le cheval est ma vie quoi, en un mot, le cheval est ma vie, donc je suis là et je continue toujours à accompagner ces merveilleuses créatures que Dieu nous a données. Nous, à notre époque, quand nous étions jockeys, bon, Il n'y avait pas un grand chose dedans. On gagnait souvent, c'était à peu près de 7500 à 10 000 maximum. Tu vois, ça c'était quand j'étais jockey. Mais aujourd'hui, ça a grimpé. Et le premier du crack va jusqu'à 60 000 francs. El circuito de apuestas del hipódromo, que da nombre a todo un distrito, está gestionado en su totalidad por la Paris Mutuel Urbain, una empresa francesa que se ocupa de apuestas en carreras de caballos. En todo Mali, la PMU cuenta con agencias en las que también es posible apostar sobre eventos de fuera del país. Además, es el patrocinador principal de la Federación Maliense de Deportes Ecuestres. Sin ella, difícilmente se podrían organizar carreras. Le message que j'ai à donner est que on demande au gouvernement de nous appuyer plus dans cette sport et que il y a assez une passion qui est là, il y a des centaines d'années quoi. Rien s'est rajouté dedans et que le champ épique au fait est conforme. Il y en avait depuis il y a à peu près 50-60 ans, c'est le même champ épique. On veut une amélioration, on veut une aide de la part du gouvernement. Il y a pour plus de confort pour cette lieu magnifique.